Salut à tous les amis, alors me voici avec Thierry. Salut. C'est un spéléo d'un club voisin du Pays Basque. Il va me faire visiter cette mine de fer. Alors cette mine de fer, c'est l'accès supérieur d'une mine que j'ai déjà fait précédemment. Et c'est Thierry qui va me faire visiter cette mine. Donc c'est parti, allons-y. Ouais, ouais, bah ouais, c'est la voie de roulage ici, ouais. Clairement. Ouais. Oh, magnifique, hein, quand même. Un troisième puits. Oh, ouais, c'est extrêmement profond quand même. Ouais. Je vois à peu près le fond, ouais, c'est. Oh, c'est. Ouais. Le volume, il est impressionnant quand même. Ouais. Ouais. Le cadre en bois. Qui est bien un réseau supérieur pour le coup. On est d'accord. Ouais. Donc on voit encore les rails là. Et que ça devait être des trémies du coup, hein, sincèrement, parce que quand on voit toutes les roches ici, très jolie galerie, hein. Sacrée exploitation quand même. Mais là c'est parti, il y a Kevin qui va essayer d'accéder à la partie supérieure. Ouais, ça va. Ouais, il y a 2-3 marches, après je sais pas comment tu le vois toi. Et... C'est coquin. Coquin. Mais j'imagine qu'on pourra accéder. Après je pense peut-être même qu'on peut descendre à l'éboulement à côté, je sais ouais. Pas. Ça passe, magnifique. Allez, l'échelle. Est-ce que tu penses qu'on peut marcher le long ou on est gêné par les puits à chaque fois? Ouais. Ouais, tu vois ce petit muret qu'ils ont fait tout autour du puits, ce petit bout de pierre. Ah bah si. Bah oui. Ah mais là on revient sur la... On est sur notre galerie là. Attention, c'est pas très stable. Ouais. Où est-ce qu'on va derrière? Il y a des échelles ici qui montent là-bas. Sur un bel éboulement. Ouais, là il y a un puits là-bas. Regarde cette calcite. C'est magnifique. C'est nappé. Continue là-bas. Ah bah oui. Merci. Ouais. Allez, c'est parti. Je vois pareil, il y a un puits à voir. Okay. Tu vois, on voit que ça redescend encore là-bas. Quoi. Ouais.
T'as été là? Alors moi, voilà, j'ai été jusqu'au bout là. Et en fait, tu vois d'autres planchers et tout, mais j'ai pas traversé là. Bon, on va éviter de passer. C'est beaucoup trop dangereux, le puits est beaucoup trop profond. De toute façon, on se loupe, on est tué. C'est dommage, ça continue bien. On voit une structure en bois dans le fond. Je sais pas si on verra la vidéo. Ça continue bien. Donc c'est l'occasion de revenir. Je vois qu'il y a un goujon là, sur la paroi. Il y en a deux autres derrière moi, juste à côté. Et ouais, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est le remblai qui est ici, que ce soit pour l'aller et le retour. Donc là, on est peut-être tombé sur un petit filon de sidérite. On voit que ça brille. Une petite veine qui court tout le long de la paroi, qui suit l'inclinaison de la galerie. Bon, après, il y a le puits. Voilà. C'est possiblement ça. La calcite se dépose tout partout. Alors, est-ce que ce sera des futures perles des cavernes, tout ça? Ça a bien l'air. La galerie est nappée.